Bon, il s'est passé un truc quand même de dingue. Tout à l'heure, j'étais en train de random ici et franchement, j'ai random un truc quand même incroyable. Il se trouve que c'est le fruit de léopard. Et je crois que tout le monde a remarqué que je vais la donner à quelqu'un. C'est quand même bizarre parce qu'en fait, avec ce fruit de léopard, en fait, je ne peux pas le store. Et je vous avoue quand même que je suis un petit peu dans la cacamouise. Regardez, c'est marqué en haut que je l'ai 10 fois. C'est normal parce qu'il l'a 10 fois ici. En fait, elle peut store que 10 fruits. Donc du coup, elle a 10 fruits de léopard, 10 fruits de dragon. Je peux pas le store, je suis vraiment dégoûté. Et aussi, elle a aussi le fruit de léopard quand j'y pense. Elle l'a déjà ici en fait, mais mastery 1, malheureusement, ouais. Elle a le fruit de léopard mastery 1 parce qu'elle ne joue pas le fruit de léopard. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, je vais bien lui farm le fruit de léopard en fait, pourquoi pas. Mais bon, du coup, alors le but de cette vidéo c'est quoi? On va essayer de trouver à quelqu'un pour lui donner ce fameux fruit de léopard qu'on vient de random. Ils m'ont déjà donné pas mal de fruits en fait, parmi le fruit de léopard, il y en a déjà pas mal en fait que j'ai eu. Je sais pas si je peux les store en fait. On va tester, on va essayer de voir si je peux les store. Alors, ok. Ah bah je peux les store, ah bah let's go. On a store celui-là, celui-là on va store celui-là. Le fruit de light, let's go. Ok, on va essayer de store le fruit de la flamme. Ah ben, on peut pas le store. Ah ben, on peut pas le store. On va store le fruit de rubber. Ok, let's go. Ah ça marche. Et là on a le fruit de bombe. Non, je l'ai drop. Heureusement c'était le fruit de bombe parce que c'était le fruit de léopard que j'avais drop, ça serait parti en cacamouise hein. Je pense qu'il y a tout le monde qui veut le fruit de léopard, c'est quand même très dangereux là. Le pire de l'histoire c'est que il est mastery 1, je peux rien faire avec et c'est pas très ouf en fait. Du coup en fait ce qu'on va essayer de faire les gars, alors dans cette vidéo on va essayer de trouver à quelqu'un et lui donner ce fruit. Par contre j'ai l'impression que tout le monde dans ce serveur en fait il me connaît. Personne n'a rien compris. Du coup, avec ce fruit de léopard, j'ai essayé de trouver plusieurs façons de le donner à quelqu'un. Soit je le drop, soit je fais un PVP. Mais si je fais un PVP, je vais mourir et le fruit, on va le perdre. En revanche, je peux le drop, mais il va falloir que je me cache pour le drop. Je vais vous montrer qu'on peut le drop, en effet. Alors, dans ce cas-là, on va directement prendre le fruit de portail. Hop là. On va aller dans l'arène. Ouais, on va aller ici. Voilà. Ici, il n'y a personne qui peut venir. En effet. Voilà. Donc ici, on peut drop le fruit par terre. Et comme ça, personne ne peut le prendre. Sauf si c'est un hacker qui se TP et il le prend instantanément. Si un hacker est venu, ça serait quand même pas très cool, wesh. Bon, du coup, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est que... Je vais aller sur Discord et je vais faire une proposition comme quoi je trade le fruit de léopard. Parce qu'en fait, le truc, ça serait quand même cool que si quelqu'un, on doit lui donner, il nous donne des fruits en retour. Comme ça, en fait, ça nous fait un gain de fruits afin de pouvoir lui mettre bien dans son inventaire. Donc moi, je propose qu'on essaie de trouver quelqu'un qu'on va lui donner ce fruit de léopard contre deux dougs. Je sais pas si c'est de l'arnaque, mais pour moi, ça a l'air d'être équitable. Parce que de base, on donne un doug et un dragon égale léopard. Mais là, je veux juste deux dougs. Du coup, ça peut le faire. Parce que je peux pas demander dragon. Il y a déjà deux dragons. Enfin, on a déjà 10 dragons. C'est le maximum. On va leur chercher encore plus. Après, je pense que si la personne nous propose deux fruits de spirit et un contrôle, un venom, je pense que là, je vois un peu trop loin, là. Ouais, ouais, il faut revenir un peu en arrière, les gars. Allez, let's go. Du coup, je pense que je vais aller sur Discord. Ok, nous voilà sur Discord. Maintenant, on se retrouve sur Message Général. Alors, notre meilleur salon pour pouvoir trouver des fruits pour trade, c'est ici. Trade fruits. Après, je pense qu'ici, on peut trade des fruits contre des Game Pass. Sauf que ça, waouh, ça nous intéresse pas totalement. C'est quoi ça? C'est des scrolls, ça? Attends, ici, c'est tellement bien. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Donc, on va venir ici. Donc, maintenant, on se retrouve dans le salon de trading fruits. C'est le meilleur endroit pour pouvoir trade notre fameux léopard. Du coup, moi, étant donné que je sais pas vraiment ce que je veux, je mets ce que je donne déjà. On donne un léopard, voilà. Déjà, ce qu'on donne, c'est léopard. Puis, on va le trade contre... je ne sais pas, en fait. C'est lui que tout le monde écrit, question. Voilà. Je ne sais pas vraiment. Et donc, étant donné que je ne sais pas ce que je vais donner, ça sera eux de me donner, en fait. Je vais voir la meilleure proposition. Ouais. On va everyone... Ok. Voilà. Ok. Maintenant, on va... On va voir s'il y a quelqu'un qui va me proposer un truc. Ok. Alors ici, il y a un gars qui a dit 2 doug, Venom plus Bouddha. De base, nous, on voulait juste qu'un 2 doug. Mais là, franchement, je pense que on peut le prendre. Hein. Le gars, je pense qu'il a trouvé une proposition. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. A few moments later. Ok, ici on a deux Venom, un Doug de Gravity. Alors moi personnellement je voulais deux Doug. Du coup je pense que je vais aller sur le Flamperm, excuse-moi. Maintenant je leur envoie une petite échantillon de du petit trade.
Ok, le gars là, je veux bien parce qu'il nous propose quand même de Doug. Pendant le temps que tu viens dans le serveur, moi je vais profiter de t'attendre directement à la mansion. Voilà. Hop, il a quitté la vocale. Il est revenu dans la vocale. Moi je t'attends à la mansion. J'attends d'abord que tu viennes pour que tu t'assoies. Parce qu'en plus de ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent Eva. 2000 years later. Ok, j'attends juste que tu t'assoies sur la chaise alors. Après là, je vais m'asseoir. Ok, let's go. Ok. Là, je suis là et du coup, je vais te mettre un petit fruit de léopard. Ah, mais non, 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 pas léopard, perme. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Du coup, on va te Et j'ai mettre. encore les trucs. Attends une seconde. Attends, attends. Hop Et là. hop là, voilà le petit léopard. Wow. Bon, dans ce cas-là, alors, je vais ajouter des fruits. Du coup, là, c'est 49%. C'est certain à 100% que tu n'as pas ce fruit. Après, tu sais, tu n'es pas obligé de tout mettre. Moi, je veux juste deux dougs. Hein. Vas-y, monte le léopard. Wesh, tu la rôles, ça veut dire là que tu l'as eu au fruit dealer. Oui, mais bah retourne dans le salon trading et tu verras la vidéo que j'ai Ouais, envoyée j'ai en vu même la temps. vidéo, mais je suis quand même choqué, wesh. Donc du coup, et voilà, maintenant, bon, on va le restore maintenant, let's go. Et Et t'as combien donc de storage? Ça veut dire t'as combien de maintenant... doubles? Ça veut dire t'as combien de léopards? Elle a 10 léopards. 10 léopards, Et... 10 dougs, 10 venoms, 10 shadows, 10 dragons. 3:28 a.m. Après tout le reste est là 8 6 8 8 8 8 8 8 8. One eternity later. En tout cas, franchement, moi je te remercie beaucoup de m'avoir quand même donné les deux dougs. Sur ce, ça lui permet quand même d'avoir une bonne inventaire. Ah bah de rien, c'est pas de passe moi aussi je voulais le voir. Après, bon, il y a moyen que peut-être bien plus tard on fera un giveaway sur tous ces fruits qu'on aura dans l'inventaire. Après, bon, ça sera à elle de voir ce qu'elle veut en faire avec. Et du coup, Ouais. tu joues pas sur ton compte toi? Bah, je joue, mais là tout à l'heure j'avais joué sur mon compte, j'avais random sound et je l'ai donné. Sound. Et après je suis allé sur son compte pour random et j'ai random ce fruit. Ah ouais, mais wesh, Ouais. moi j'aurais été. Mon crâne il aurait explosé si je random le pas. Ah bah c'était quand même bien plaisir quand même parce que c'était rapide, hein. Je m'attendais pas à ce que ça soit encore plus rapide. Sur ce, cette vidéo qui est là, je la mettrai là, dans la description de cette vidéo. Donc pour ceux qui veulent voir un peu ce que j'avais montré dans cette vidéo. Maintenant qu'on a trade le fruit de léopard qu'on avait dans notre inventaire, il ne nous reste plus que le fruit de la flamme. Mais sauf que le problème c'est que je ne peux pas le store parce que je l'ai 10 fois. Donc on va profiter de faire des fragments avec. En plus de ça maintenant elle va bientôt atteindre les 200 000 fragments. Et donc c'est déjà pas mal en fait. Ouais. À force de faire des raids, ben ça s'améliore, ça s'améliore. Faut croire quand même que. Sur ce, si vous avez kiffé le concept, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire. Et moi je vous dis ciao. Si on trouve un autre fruit, on va essayer de le donner à quelqu'un. Voilà. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vas-y, let's go!